Daniel. Nous allons d'abord lire le chapitre 2. À partir du verset 31. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette grande statue, dont la splendeur était extraordinaire, était debout devant toi et son apparence était terrible. La tête de cette statue était d'un or très fin. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient des reins. Son ventre et ses cuisses. Ses jambes étaient de fer et ses pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile. Le chapitre 3, verset 1er. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or dont la hauteur était de 60 coudées et la largeur de 6 coudées. Il adressa dans la ville de Dura, dans la province de Babylone. Puis le roi Nebuchadnezzar envoya pour rassembler les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces afin qu'ils se rendent à la dédicace de la statue que le roi Nebuchadnezzar avait dressée. Verset 4, alors un héros cria à haute voix en disant: on vous a fait savoir au peuple, nations et hommes de toutes les langues, au moment où vous entendrez le son du cor, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, de la saltérion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous jeterez à terre et vous adorerez la statue d'or que le roi Nebuchadnezzar a dressée. Alléluia. Quiconque ne se jettera pas à terre et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu de la fournaise du feu ardent. Moto oyo akofuka maeke kote ne bakokamata ye bakopote na kata libu na moto. Après, vous vous rendez compte que Dieu montre à cet homme une vision. Et au moment donné que Nzambe a pété mon isena moto wana, il révèle, n'est-ce pas, le gouvernement mondial. Et à la kisi na ye ndenga kokama mokili mobimba. Il lui a montré les quatre nations, les quatre royaumes les plus puissants de la terre. Et qu'est-ce qu'il va faire cet homme? Il se repentir. Il va vouloir matérialiser charnellement cette vision. Il va construire cette statue. Et il va dire aux gens: ceux qui ne vont pas l'adorer seront jetés vivants dans le feu. Nous savons que dans les Écritures, le feu représente aussi le jugement. Donc ici, il est en train de dire aux gens: ceux qui ne vont pas adorer son image seront jugés. Et nous sommes dans Apocalypse chapitre 13. Seigneur, merci pour ta fidélité.
Verset 11. Puis je vis une autre bête qui montait de la terre. Elle avait deux cornes semblables à celles de l'agneau. Regardez bien ici. On nous dit que cette bête avait une corne comme celle de l'agneau. Alors la version seconde dit comme celle d'un agneau. Et la première seconde dit le col a pâté. Et là, ici on nous dit que ces cornes représentaient, étaient semblables à celles de l'agneau. Donc cet agneau-là est bien identifié. Et la buste était à la que le col a pâté moko. Il y a pâté, voilà. Donc, ça veut dire que cet agneau-là était bel et bien identifié. Et vous voyez que pâté ou les amis solo. Pâté Oyo. Oyo, parce que Oyo, il y a des séquences là. Et ça dit comment on a mis ça. Amen. Et cet agneau, bien sûr, c'est Yeshua. Et pâté ou les amis, Yeshua. Et on nous dit que cette bête avait des cornes qui représentaient, qui étaient pareilles que celles de Yeshua. Et malheureusement, qu'il y a un agneau qui n'a pas séqué le col là, il y a Yeshua. Donc, c'est la même, c'est la même statue ici. Et Zali Kaka et Kikouana. Et remarquez qu'on nous dit que cette statue, et Manoubi Kikouana, cette bête, parce que c'est une bête, Nyamawana, vient avec une apparence pour séduire. Azakouya Kanolenge, Ponako Bibisa. Si on voit son apparence, ce qui te montre dans le Lenge, on peut croire que il y a la douceur, et tout le monde était Azanago Lembu, il y a la beauté, et Azali Azakoua Kitoko. La parole nous dit, et Ilumelobi Nabiso, quand elle parle, elle parle comme le dragon. Et à Koloba, le col en cause. Et on sait que le dragon ici est aussi identifié. Et Yarakona Awa, le diable. Yarakona Awa, Azali, le col Azali Satan. Daniel 2. Et Nagata Daniel 7. Daniel Sambo. Apocalypse 13. Et Apocalypse Zobina. Nous parle de la même bête. Azabo, la même statue. Azabo, le col en est comme moi. Et on nous dit. Cette statue, sa tête était de l'or. Et malheureusement que nous venons d'aller dans la voile. L'or brille. Et voir les gens qui l'or attire. Voir les gens l'or peut séduire. Et voir le pays d'aller comme bébé. Et là on nous dit mes amis, malheureusement la mission va déco. Cette bête et Nyamawana, qu'est-ce qu'elle fait? Et à ça la nuit. Et elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Et puis à singa qui n'a pas belé non sauvait pas pour fou comme hier le col là pour. Et cette bête pousse les habitants de la terre à adorer et à adorer la statue. Et voilà même Nyamawana donc au tine d'abattre n'a pas belé que pas fou comme été co. Alléluia. Amen. Ça c'est terrible. Ah, ils allaient sombre. Donc vous vous rendez compte, et vous avez, comment, nous sommes dans une génération l'histoire se répète. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Regardez à l'époque de Daniel. Combien de personnes étaient fermement attachées à la parole de Dieu. Trois. Je l'ai quatre avec Daniel. Vous vous rendez compte, toute la terre à l'époque de Daniel adorait cette statue. Et Namadonio Samabene Natango Wana Bakofu Kamayete Koroyo. Seulement 4 personnes. Kata Batumi Nei. Mais dans Daniel 3, on dit qu'il y avait seulement 3. Daniel était certainement caché quelque part. Et 3 hommes. Et Tokoko Lomaete. Et Arika Kamatumi Sako Bote Daniel Abomoadi Pembe. Et Dieu dit quoi dans les Écritures? Et Nzabato Lomaeni Kata Makoro. Que les frères chrétiens, il y en a très peu. Et Mamete Bakit Yosolo Solo Bamoke. Et je m'en suis encore aperçu en vrai. Et Nganaï Koyeba. On a la Yawa. Alléluia. Trois hommes. Nibubisatu. Shadrach, Abednego et Meshach. Batomisatu, Shadrach, Abednego, Meshach. Qui ont dit au roi, nous n'allons pas plier nos genoux. Et adorer cette statue. Et tu es tout quand il a vu cette statue, était d'admiration. Et il était grandement séduit. Et il s'est séduit lui-même. Et il va associer l'adoration. Il va associer la musique à l'adoration. Et c'est exactement ce qui se passe dans nos églises. Et il peut le lever les camarades dans mon groupe.
Qui nous a dit que adorer c'est chanter tout de suite? Nana lobi na biso ke kofuka ma ezali koyemba. Ça ça fait. Écoutez bien. Cette grande assemblée chrétienne, cette chrétienté paralysée, mes amis, avec tous ces chantres là, en tout cas, elle ne va pas au ciel. Non. Cette chrétienté est séduite. On m'a dit que mon sang de wana est séduit. Cette chrétienté est paralysée. Mon sang de wana est comme dans mon boule. Attention, ne pensez pas parce que vous n'êtes pas dans une assemblée locale avec bâtiment que vous n'êtes pas séduit. Et bon, le bâtiment que le roi a dit que mon gomme a été que le binobé, mon gomme a été, non? Oh Seigneur, sauve-nous. Vous avez vu comment on associe la musique, la soi-disant chrétienne, avec la prière? Et puis nous vous dire quelle musique? La musique que Dieu inspire quand on la chante, ces mélodies, on est poussé à la repentance, on pleure pour ses péchés. Et le yimbo o yehut elle peine ensemble, et quand ça vous est mango, et copie sa puce son bon, on a fait ton lela, ton tout est la basse. Nebuchadnezzar a créé sa propre religion, et Nebuchadnezzar a sali l'ingomba na e. Et il a mis en place des chants, et il a dit qu'il a, quand il a mis des musiciens, et a bengi balaganze molaye, et il a mis en place des héros, c'est-à-dire des prédicateurs, et a précipité ma tête sa molaye. C'est grave. Qui sommes. Regardez bien. On nous dit qu'au moment où vous allez entendre le son, il faut adorer. Et ben nous dit que n'attendons au bobo bobo yo kamongo. Au fuka. Mais c'est exactement ce que nous faisons. Et ça n'est pas ma camo de salakawa. On se retrouve dans l'assemblée. Tu sors de la carte à Lingomba. Pour commencer à prier. On va aller au monde là. Avant de commencer à prier. Il y a pour que au monde là. On a besoin d'abord d'entendre le son. Pour l'ingi kaka s'intéler là. La guitare. Tout, vous êtes. Une sœur a chanté. On ne commence pas à aimer. L'adoration, c'est pas ça. Kofu kame sali wa nati. C'est la consécration de l'individu. Ne komi pesa nankolo. Alléluia. Amen. Et c'est exactement ce qui se passe avec l'islam. Et yango o les gens viennent, les gens disent méfiez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtement de brebis. C'est quoi ce vêtement de brebis? Et lamba n'a pas de l'anime. Ça peut être une fausse humilité. Et bon, il y a la paix au bien le coutin. Ça peut être aussi ses robes blanches. Et bon, il y a la paix et tabalé à peine. Ça peut être ses soutanes. Et bon, il y a la paix et la paix à moulaï. Costume et cravate. Et bon, il y a la paix, cassant la paix, langue. Et les gens ne voient pas ça. L'apparence est bien embellie, alors qu'au fond, et ce sont des loups. Bah, tu vois, au monde, au monde, que l'Ibanda est nettoyé, mais cassicati, oh, à ma cause. Avec la France est devenue presque musulmane. Vous voyez que Kounape, Napotope, la France, dit que Flamme va faire pas mal. La viande a l'âle partout. Et vous voyez que ici, quand on sort, comme ça, bon. C'est ça. Le problème, c'est que vous, c'est la conquête, c'est la conquête, c'est la religion, là, c'est la conquête. Vous voyez que les alliés, tout le temps, vous voyez la main, vous voyez la main, vous voyez la main, vous voyez la main, vous voyez. La Bible dit. Bible et lobby. Cette bête, Nyamawana, Fa, regardez ce que la parole nous dit. Elle opérait de grands miracles. Et à quoi ça, mais quand c'est la vilaine? Des grands prodiges. Et ma camouille. Verset 14. Elle séduisait les habitants de la ville. Mais à cause des prodiges qui lui ont été donnés. Les prodiges. C'est pas seulement des guérisons miracles. Et Alicata, le but qu'on a. Avec le pétrole. Ces nations, nous allons musulmanes, font des prodiges avec des prodiges technologiques, avec des constructions comme pas possible. Et Nanzela a pétrole, Babo va dans le salon, Babo Toga, Babida, Komoro, Togo, Togo, Zimamoye. Alléluia. La Bible dit. Bible le dit. Elle disait aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait reçu le coup mortel de l'épée et qui était vivante.
L'image. Nous sommes toujours dans Daniel 3, c'est la même chose. C'est toute la terre. Et on nous dit, et plus loin, au verset 15, et il lui fut donné de mettre un esprit à l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient mis à mort. Et Balobi se bat si moli mon manco quand il naie. Il n'a les moyens ni à ma pote, il a moyen le bas. Oh, il y a beaucoup comme un bête, n'est pas au beau maillet. Regardez, après ce qu'elle nous dit quoi, cette bête, la première bête. Et la première bête, elle ressemble à un lion. Elle a une gueule d'un ours. Et au moment que mon nom est allé voler. Et les pieds dans les pattes, dans les pieds dans le bar. Et au moment que ma connaît est allé voler, pas. Lève le mélange. Au moment où ça n'a dit quoi. C'est une bête qui est. C'est un mélange de plusieurs spirits, plusieurs démons. Plusieurs réalités, plusieurs philosophies. Et Nyamawana et Dalimo Sangani, donc Yamakamu et Pélé, Nakatuana, Manyam et Pélé, Mayel et Pélé, Makamu et Pélé, Nakatanyamawana. Vous avez la conquête avec la Chine. Au moins, il n'y a pas de Chinois, Babati. Une conquête. Et Dalipé, ils viennent avec leur part. Et Pazam, vous voyez, Papena, Oya, la philosophie. Et puis Mayel et Nabo. Le bouddhisme. Et puis Nabo, les dragons. Chacun vit avec ses réalités spirituelles. Et Motuana, vous voyez, Kananzam, Benaye. Alléluia. Regardez la franc-maçonnerie, la rose croix, le bouddhisme, l'hindouisme, le catholicisme et tout ça. Même les églises disent de réveiller aussi avec leurs démons. C'est-à-dire l'évangile de la prospérité américaine. C'est un mélange. C'est ça la bête. C'est ça Babylone. Babylone veut dire confusion par le mélange. Et Babylone veut dire confusion. Cette bête, c'est Babylone. Et Nyamawan est allé Babylone. Et on se retrouve là. Et ça. Et la Bible dit Bible des que les gens sont séduits. Et bateau, ma cause ami. Oh Seigneur. Et ceux qui vont résister. Ceux qui vont traverser cette période difficile dans laquelle nous sommes vivants, ce sont les hommes et les femmes qui ont l'esprit de Dieu qui a aimé Shadrach, Meshach et Abednego. C'est-à-dire des hommes et des femmes qui savent ce qu'ils veulent, qui n'ont pas peur de se lever et de parler. Amen. J'ai pas peur. Ceux qui nous connaissent là, on n'a pas peur. Quelle que soit la personne qui en face, si la loi de Dieu est menacée, on se lève à défendre. Et ton ennemi, ton lobby en haut. Dieu n'a pas besoin de pleutres. De pleutres. Les peureux. Dieu a donné des gens qui sont prêts à tout. Et animi batoyo, surtout dans cette génération là. Vous avez vu? Regardez bien, c'est un filet. Et Babylone, c'est comme un filet. Tes alokos na katia mounyama. Il y a une contagion terrible actuellement qui pollue des prédicateurs, des pasteurs, des... mais c'est, ça va à une vitesse vertigineuse. On est dans Simba, Matin, dans sa poli, la Christ, dans Simba, on compte à 4 Nabak. Alléluia. Amen. Et les gens adorent. Les gens adorent. Je suis parti en Allemagne. Dès la première nuit, le Seigneur m'a ouvert les yeux. J'ai vu des chrétiens là-bas à genoux en train d'adorer une statue. Et il appelait Jésus. Il pensait que c'était Jésus. Et n'a pas tout à l'heure, ça va pour lui, ça va pour lui, ça va pour lui.
Quelques jours après, deux pigeons viennent me voir. Ils m'ont pris l'un à droite, l'autre à gauche, ils m'ont emmené sur une statue. Une montagne. Il y a faux Jésus qui était là. Comme celle qui se trouve au Brésil. Et la statue de Jésus disait que c'est elle Jésus. Elle disait c'est elle, c'est elle. Je dis non, tu n'es pas Jésus. Elle me dit si c'est moi Jésus. Et là, le ciel s'ouvre, je vois le Seigneur qui descend. Et là, le Seigneur me dit, il faut comprendre que c'est le Jésus qui est adoré dans 99% de vos assemblées. C'est cette statue là, cette pierre, cette image là. Ils allaient les mouiller quoi. Paul dit, Paul a dit, si quelqu'un vient vous prêcher un autre évangile, faut qu'il monte à côté à lui le samamoussou. Si il vous prêche un autre Jésus, faut qu'il monte à côté à lui le Jésus. Ou si vous recevez un autre, parce que vous l'acceptez fort bien. Et que ceux qui viennent au bon Dieu, vous lui montrez c'est quoi qui. Comment des gens vont se trouver comme ça et ils se mettent à s'imaginer des choses qui, je me dis, mais ils ont quel esprit? Eh, bah, tu vas faire des moyens. C'est grave. Ça m'a quand même. Par contre, on a mon limoni. Laissez-moi vous dire. Imaginez, à Babylone, il y avait plus de 7 millions de personnes. Trois seulement étaient fidèles. On est combien ici au Congo Brazza? 4 millions. À peine 20 millions d'idées. Je me rappelle encore une fois, je suis venu à Brazza. Nous sommes allés voir un prophète, soit un grand comme ça, là, monsieur, très grand prophète. Il mangeait ses dents de colère parce qu'on a parlé un tout petit peu sur la dîme comme étant une pratique de la loi. Le monsieur il voulait nous manger, il l'a chassé de chez lui. Un prophète. Les pasteurs, quelqu'un, on leur a donné 100 millions ici, là. Ils se sont battus entre eux. Là. Ce sont des charlots. Les prophètes qui prophétisent parce qu'ils ont du pain sur la dent. Ils sont influencés par les voyous de Kinshasa. Kinshasa et le Nigeria, ça pollue l'Afrique. Pourquoi Dieu frappe la RDC comme ça? Il faut que c'est pas pète à faire Congo démocratique. Voilà, Dieu frappe la RDC. Nous avons pas pète à la RDC. Où sont les Shadrachs? Où sont les méchants? Les Abednego. Abednego. Toutes ces chaînes chrétiennes, soi-disant chrétiennes au Congo, à Kinshasa, c'est pas une bénédiction pour les Brazzavillois. Hein? Toutes ces chaînes que vous captez là, chrétiennes, là, c'est une malédiction. Des prophètes qui vont sortir de l'argent. Vous voyez pas c'est la magie. Prophètes qui sortent des lézards.
prophète qui crie, il met en place une équipe de foot. Mais vous ne voyez pas que ce sont des voleurs. Mon père, il n'est pas tout à l'heure une équipe de ballon. Il faut jouer les rois. Vous ne voyez pas que ce sont des gens qui sont en enfer déjà. Quand est-ce que vous allez dénoncer ici à la télévision? Quand est-ce que vous allez dénoncer? Non, nous, on ne veut pas des problèmes. On puisse s'autoriser ma carotte. Vous êtes là, vous avez la parole, vous avez été dénoncé là. Les télévisions chrétiennes quinoises polluent les chrétiens brésiliens. Vous voyez, n'est-ce pas? Quand est-ce que vous avez le cas? Total, il y a quinoise et même sa cabisseau. Et ce sont les autorités qui vont prendre la décision de chasser des Vous ne voyez pas que l'église a échoué. On voit bien que à cause de ça, l'église est salie, n'est pas libre. Ça, c'est le langage du Seigneur, ça. Wana et Ali Malouankolo. À Paris, c'est plus n'importe qui vient faire des séminaires là-bas. Faut vous renseigner. Ah non. Est-ce qu'on a Ali pour nous dire qu'il y a un assis pour ça dans ma séminaire? On a bien. Des voyous comme Denis Lézy, on le met en prison, il sort avec des preuves de son vol, il sort de la prison, le peuple l'accueille comme un prince. Oh, oh, le peuple n'a plus de cerveau. Voyous, le roi Denis Lézy, à côté de Boloko, Simbi, il y a un macabre, c'est la salle Abima. C'est pourquoi Dieu n'a pas voulu que j'aille à Kinshasa, c'est pourquoi Dieu n'a pas voulu que j'aille à Kinshasa. Je veux y aller, dès que tu vas me donner l'occasion, je vais aller. Je vais aller là-bas, je vous assure là-bas. Et dans mon colonne, mon frère, quand tu vas rentrer à Kin là, je veux les donner, dénoncer tous. Mon colonne, là, mon colonne, là, je vous dis ici, là, faut pas aller à la télévision, dénoncer les gens. Vous mangez le chocolat ici, vous mangez le safran, vous mangez le foufou, vous êtes à l'aise. Alors que le peuple va l'enfer. Et il porte là où il a dit Félo. Et ça va vous parler, hein, frère. Au tirant le bébé, la vie de l'amitié. Dieu dit qui enverrai-je? Qui parlera pour moi? Qui a parlé la routine à Nani? Même pour le papa, la Nani. Tout ce que l'on veut de frère, c'est quoi mon ministère? On veut l'onction là, tout ça. Tout ça là. Et quand Dieu est venu dénoncer un frère, les gens disent C'est pas normal. C'est que vous ne. Ça veut dire que vous ne me connaissez pas. Ah, Nani, vous avez une idée. Moi, Dieu m'a dit. Va parler. Kende Koloba. Tu es ma bouche. Yo ali mon enfant va crier. Quel est mon gars? Sonne le chauffard. Ça va où le chauffard? Même si c'est mon fils, attends quoi? Dis-moi mon gars. Si tu ne veux pas, si tu ne veux pas te repentir, je te dénonce. Donc qui est le gourou? Dis-moi. T'as comme ça? D'ailleurs, parce que vous n'avez jamais vu l'enfer. Moi, j'ai vu l'enfer cette fois. Ah, mais le gourou n'est pas le tien. Vous ne voyez pas ce qui se passe là en dessous là. Là, la fin de mon amour, même sur un gars. Où sont les Shadrachs? C'est la question que Dieu pose. Où sont ces gens? Où sont ces gens? Où sont ces gens? Un monsieur, Dieu l'envoie en prison, il sort de là handicapé. Le peuple l'adore. Vous voyez l'état de l'église? Ça m'a dit, il y a un peu de temps pour que tu aies mis mon canatari. C'est-à-dire quand Dieu frappe, on ne comprend même plus. À longtemps, maintenant, on dit ma fille Molly, c'est aussi ma fille Nadine. Pour vous, sur la tête. Et ils ont tous des extensions ici. Allez les fermer.
Allez à la sortie de cette extension, allez crier là-bas. Je dis à un frère, là, je vais aller voir des bishops d'ici, on va prendre rendez-vous de, demain matin, on va aller voir les apôtres d'ici, là, on va aller visiter, je vais leur parler là-bas, le Seigneur, Dieu m'a mis à cœur. Là, je veux leur dire ça, on va partir demain matin. J'avais dit à un frère déjà, donnez-moi le numéro de l'apôtre que vous connaissez. Il faut qu'on aille sur place. Il faut qu'on arrête la comédie. Arrêtez l'hypocrisie. Alléluia. Vous voyez des loups dans la bergerie et personne ne crie. Au moins, il va construire Katina et Tonga et Motaki la mort à Rouganga. Ça va au Gabon? Et bien, à Gabon. Les frères vont à la télévision, ils vont crier comme ça. Ah, bah, ne voyez que la télévision, puis Rouganga. Un monsieur Branami, c'est qu'il y a une chaîne de télé, il a dit aux frères, venez prêcher. Et pour vous passez combien de jours, combien de fois par semaine là-bas, Alain? Deux fois. Deux fois par semaine. Ah, vous cahiez, non? Pardon? Vous citez les noms des faux pasteurs, non? Bien sûr, on les dénonce tous les jours à visage découvert. C'est normal. À Brazzaville, les gens sont trop civilisés. Ah, voilà, Brazzaville. Vous êtes plus français que français, les Français même. Et l'équipe même va m'aider dans le poteau. Ah, costume et cravate. Vrai ou faux? Vrai. Si y a, à part la France, s'il y a un pays où tu veux voir les Français, tu viens à Brazzaville. Ceux qui te l'ont dit, par mon français, ceux qui ont dit, par mon français, voyez à Brazzaville. Alléluia! Amen! Moi, je dis aux frères et sœurs, je veux faire ma carte de séjour ici, je veux ma carte de séjour, une carte de séjour brazzavilloise. Comme ça, quand on va venir, on n'a plus de visa, on prend l'avion, là, on descend. On va au plus soir, Brazzaville. Je vous prophétise ça. En juin, juillet, là, si Dieu permet, on revient encore ici, il faut qu'on crie encore. Ah oui. Le matin, mon corps sur nous, ça ne marche pas. Ah, maintenant, vous ne connaissez pas la petite taille. Comme ça, vous allez avoir le courage pour commencer à crier aussi. Oui, on a fait ça. Tu ne fais pas grâce à Bologna. Amen. Vous avez la grâce en Afrique de pouvoir passer à la télévision avec. Nous, chez nous, c'est compliqué. Et pas la mission pour nous regarder la télé. Faire comme ça. Pour nous regarder la télé à passe. Mais vous avez la possibilité. Une heure ou 100 000. Vous passez, même si vous n'avez pas, on va vous envoyer cet argent-là au moins une fois par mois. C'est pas OK. Bon, les amis, tu vous dis d'abord, on va le bas. Vous utilisez Internet, non? Oui. Pourquoi on a Internet? On va laisser les prières seulement là-dessus, mais nous, on est dessus. Vous êtes sur Facebook, vous êtes sur... Pour crier? Dans la télévision, on fait quoi? Les jours, on est passé au journal de 20h, là. On a crié? Oui, on a crié, tous les gars qui n'ont pas crié. On a la 20h, tu le vois qui? Et quelqu'un nous a dit tout à l'heure, là, il va payer, ça va passer tous les jours, 4 fois par jour. Là. Et la personne à côté va tout financer. Et que les gars dans Balamine, pour qu'on crie? Pour être ton gaga. Journal de 20h là, on est là, c'est une presse nationale, on est là. Ceux qui, le cas dans l'enfant, tiens, tu viens pour 20h, on est là. Tiens, tu vis, maintenant on est à 20h, tu vas aller où là. Quelles autorités apprennent qu'il y a des faux pasteurs qui arnaquent le peuple? Et c'est Géni, ma consumée, il va être, par les papas, il va dire à ma mère, ça va, on va trouver ça. Et écoute. Mais n'a pas peur de la mort, non, moi je suis déjà mort. Donc, mes frères, vous ne recommandez que l'église, moi je ne recommande pas une assemblée. Depuis toutes ces années, vous avez payé la dîme, est-ce que vous êtes payé? Parce qu'ils vous ont dit que la bénédiction, ça voilà. Tu vends tes chicoines là, tout ça, tu gagnes difficilement ta vie et il faut enlever encore 10% pour donner à quelqu'un qui passe sa vie à ronfler. Qui se réveille à midi, on a des toits à 6h de debout pour aller travailler. Que celui qui ne travaille pas le mange. Amen. Mambo.
Nous sommes venus vous dire l'heure du sommeil est. Ça j'aime. Quand j'entends des frères qui vont devant pour parler, je dis ça. Amen. C'est le passage là, tu vas passer pour aller crier là. Alléluia. Depuis 20 ans. C'est après le passage du frère Shora que je me suis levée. Pendant 3 mois, je suis allée à la DRTV. Le Seigneur a permis que je puisse parler. Mais à la fin, les prêtres sont allés voir le général. Ils ont dit, si vous faites passer encore cette femme, nous fermons la télé. Ils ont demandé à ce qu'on détruise tout ce que j'avais fait là-bas. Heureusement que le Seigneur, comme il est grand, pendant que ça passait, Dieu avait touché un frère ici, le frère Beverly, que je ne connaissais pas.
Et lui, il avait fait multiplier les CD. Et le Seigneur lui avait demandé d'aller devant les églises, de partager ses CD. Lui-même, il est là, il peut témoigner. Pendant ce temps, à Tier TV, on avait interdit. Donc, vous me voyez là, je suis persona non grata à Tier TV. En 2015, le Seigneur a fait grâce, a touché un frère. Je venais de publier le livre en février. Mais là-bas, à Pointe-Noire, on nous a interdit de montrer ça à la télé. Ici, le frère, le journaliste, avait lu le livre. Il dit non, venez. J'arrive là-bas. Je devais avoir 40 minutes. On m'a donné seulement 15 minutes. Parce qu'il y avait quelqu'un qui était passé avant. Mais j'ai eu quand même le temps de faire la synthèse du livre. C'était le feu. On a dit de ne plus, on ne veut plus voir cette dame-là. Donc vous me voyez là, je suis persona non grata dans les pays. Je suis en train de publier les deux livres, autres livres. Donc je ne sais pas où je vais aller les publier, parce qu'on va me découvrir ici. Mais en fait, j'ai donné les... Comment on appelle ça? Les maquettes à tous mes enfants. J'ai dit, si on me tue, vous allez publier. Oh Seigneur, qui est dans la qui a encouragé là? Non, allez, dis ça bien. Sambe malamu, oh, sambe malamu, sambe.
Congo. Yahweh, 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 Yahweh,
pour toute cette souffrance. Mais tu voulais que Dieu se révèle à toi. Tu as beaucoup prié que le Seigneur déverse sa gloire sur toi, sur ta famille. La gloire de Dieu, c'est la souffrance, c'est la croix, c'est le rejet. Et le Seigneur te forme comme ça. Alléluia. Oh, alléluia. Il y en a beaucoup ici, là. Oh, Dieu. Des manteaux de nouveau, là. Oh, oui. Oh, oui. Ça, c'est le manteau pour parler. Voilà. Pour parler. D'accord, d'accord. Tu ne vas même plus accepter la compromission dans ta vie. Tu ne vas plus accepter la compromission, là. Le péché. Tu vas avoir horreur du péché. Horreur du péché. Ceux qui ont le péché, quand ils vont te voir, ils vont se sauver, ils vont fuir. Voilà. Le Seigneur te dit, ce qui l'endure, ce que tu éprouves, il va commencer à te faire souffrir, à te le faire éprouver. Tu vas éprouver vraiment le cœur du Père. Le cœur de Dieu, c'est les âmes. Son cœur bat pour les âmes. Son cœur bat pour les âmes qui se perdent, qui vont en enfer. Il y a des jeunes femmes qui cherchaient Dieu, qui sont tombées sous ces faux pasteurs. Et elles ont perdu leur virginité, elles ont été violées. Et ces femmes ne veulent plus prier. Et Dieu dit, je veux que tu ailles voir ces personnes-là. C'est pour cela que je t'appelle, c'est pour cela que je t'ai choisi toi. Le Seigneur me dit, si tu es fatigué des églises, c'est parce que j'ai voulu que tu passes par là pour voir l'état des églises, afin de pouvoir parler, afin de pouvoir avertir mon peuple. Toi à qui le Seigneur ouvre les yeux, il va encore te les ouvrir. Il va encore ouvrir ses yeux parce qu'il veut que tu entendes, que tu vois. Oh, alléluia, pour avertir les autres, parce que tu es une sentinelle, tu sais. Il y a des sentinelles ici, là. Oh, Dieu des amis. Il y a une personne que Dieu répare, que Dieu restaure ce soir. Tu es fatigué. Tu n'en peux plus. Tu es épuisé. Tu es là. Tu as reçu l'invitation. Tu es venu. Et tu es vraiment fatigué. Tu es vraiment épuisé. Le Seigneur vient vers toi. Le Seigneur t'a franchi aujourd'hui. Le Seigneur te guérit aujourd'hui. Le Seigneur te libère aujourd'hui. Il pose sa main sur ta vie et il répare tous tes organes. Il répare ton corps physique. Il répare ton corps physique. Et il te dit, je te guéris aujourd'hui parce que tu as encore une œuvre à faire. Et une onction de guérison là sur toi là. Parce que Dieu sait, Dieu a vu que tu as besoin de la santé. Pour le servir au nom de Yeshua. Oh Père, merci. Merci pour cette femme. Merci pour cette femme. Voici ta délivrance. Voici ton miracle. Voici ta restauration. Dieu pose sa main sur toi. Oh Alléluia. Il brise la puissance de la maladie. Il brise la puissance de l'ennemi dans ta vie. Oh Alléluia. Sois libre. Oui. Là. Oh, alléluia. Quelqu'un qui va vomir cette chose qui te ronge de l'intérieur, cette chose qui ronge ton intérieur là, c'est un démon qui est là. Je veux que tu sortes. Voilà. 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 Acclame le Seigneur de gloire. Oh. Sors, démon. Sortez, sortez. Oh, acclame Dieu, ça sort là. Oh, lâche là. Allez, sortez. Oh, ça là, regardez bien. C'est une question de serpent là. Là, c'est deux gros pouvoirs. Voilà le démon dit, laissez-moi. Quel est ton nom, démon? Oh, Jésus de Nazareth. Oh. La puissance de Dieu. La gloire de Dieu. Tu vas lâcher ma soeur. Voilà, lâche, tu m'entends? Voilà. Lâche-la. Voilà. Sors.
Sors d'elle. Esprit des eaux. Serpent des eaux. Mami Wata. Non. Voilà. Vous voyez, vous avez vu ça. Laisse-moi. Laisse-moi tranquille. Vous voulez qu'on la laisse tranquille là? Elle est venue pour tester le terrain. Ah, laisse-moi. Ah oui. Mm-hmm. Mami Wata. Regardez. Oh. Vous avez vu ça, la reine là. Oh, Jesus. La puissance de Dieu est là pour libérer le peuple. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Ton règne est fini. Alors, remonte et sors d'elle. Sors. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un, tu as l'impression que quelque chose sort, quelque chose est en train de remonter de toi, de ton ventre. Tu vas vomir cette chose-là qui te tourmente depuis longtemps. Tu vas vomir cette chose-là qui provoque des maladies dans ta famille, dans ton corps-là. Tu vas vomir cette chose qu'on a mise en toi pour te bloquer, pour t'étouffer. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, alléluia, parce que ce n'est pas la seule sirène qui travaille. Ici, il y a une autre sirène qui est là, qui se cache très bien. Le Seigneur, alléluia, veut libérer son peuple. Le Seigneur veut libérer ses enfants. Au nom de Yeshua, alléluia, gloire à Dieu. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, pour cette personne que tu libères, cette personne qui souffre beaucoup, cette maladie te fatigue, cette maladie te fatigue. Tu es là. C'est un démon qui est là, qui vient des eaux, là. Je veux que tu t'en ailles, que tu prennes cette maladie-là. Que tu t'en ailles, je veux que tu sortes. Tu sais que je t'ai vu. Tu sais que ton règne est fini. Tu sais très bien que ton règne est fini. Tu ne peux que sortir. Je veux que tu remontes, que tu t'en ailles. Je veux que tu t'en. Oh, ça me fait très merci. Dieu travaille. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu libère ses enfants. Dieu guérit ses enfants. Cette femme ne va pas mourir. Cette femme ne va pas mourir. Cette femme. Dieu l'a franchi. Non! Yeshua. Oh, Jésus. Il est là. 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 Il est là. Il est là. Le Seigneur pour elle. Souffre beaucoup du ventre, beaucoup de douleurs, beaucoup de souffrances. Wow, tu ne manges plus normalement. Le Seigneur est en train de te restaurer aujourd'hui. Il y a une restauration qui arrive au niveau de ton ventre. On a mis quelque chose là pour te pourrir la vie. Mais le Seigneur t'aime, tu vois, le Seigneur t'aime. Il est en train d'opérer ton ventre pendant que je parle. Oh, merci Seigneur! Oh, Jesus! La puissance de Dieu travaille au niveau de son ventre. C'est une malédiction. On a posé quelque chose. Oh, Seigneur! Là! C'est une guérison, c'est une délivrance. Une restauration. Oh, Jésus! Fini cette maladie. Fini cette souffrance. Fini! Oh, Saint-Esprit, merci. Waouh! Oh, dis à toi, c'est réglé. C'est réglé. Waouh! Une autre personne ici, c'est l'estomac. Oh! Pareil, le Seigneur est en train de mettre ta main sur toi pour régler ce problème d'estomac. Donc, je choisis le Seigneur et sauveur. Père, merci. Merci pour ta grâce, papa. Il y a une personne qui souffre de constipation depuis des années. Tu es là. C'est une souffrance pour toi. Le Seigneur a vu tes larmes.
il te restaure aujourd'hui. Tu es marié? Tu veux te marier? Lève-toi. Tu as reçu une délivrance. Et en plus de cela, le Seigneur t'accorde le mariage. Au nom de Yeshua, alléluia, gloire à Dieu. Beaucoup d'enfants. Qui veut le baptême aujourd'hui? Qui veut se faire baptiser? Ceux qui veulent le baptême donner. Seigneur, merci pour cette personne. Waouh, quelle grâce. Merci Père. Donnez ce votre jour, n'ayez pas honte. Quand on regarde, quand il y a la présence du Seigneur comme ça, il faut en profiter pour pouvoir se convertir. Recevoir le baptême, changer de vie. C'est une occasion que Dieu vous a donnée parce que la vie éternelle, vous savez, hein, elle est gratuite. Dieu vous l'accorde gratuitement. Et nous acclamons le Seigneur pour leur vie. Wow. Wow. Alléluia. Jesus. Oh Seigneur. Regardez-le que Dieu fait. Oh, c'est magnifique. Beaucoup chanter pour le Seigneur. À partir d'aujourd'hui, le Seigneur va commencer beaucoup à te visiter. Il va commencer à visiter ta famille. Il trouve l'intelligence pour les études. Au nom de Yeshua, tu seras de plus en plus amoureuse du Seigneur. Il va t'ouvrir les yeux, tu vas voir les choses célestes. Et tu vas beaucoup chanter. Apprends à jouer un instrument parce que le Seigneur va beaucoup te surprendre. Alléluia. Waouh, on sent sur elle. Belle onction du Saint-Esprit ce soir. C'est beau ce que Dieu fait. Oh Seigneur, merci. C'est magnifique. Waouh, une guérison sur elle. Alléluia, Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Bon, Seigneur, merci. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Pour les dons spirituels que Dieu répand ce soir. Amen. Maranatha. Oh Seigneur, merci pour ta présence. Que les dons soient accordés à ton peuple, Seigneur mon Dieu. Que tous ceux qui sont là pour la prophétiser, que Dieu mette son mission sur toi et de jour. Alléluia, gloire à Dieu. Yeah.
Alléluia. Oh Jésus, reviens. Merci Jésus, tu reviens. Oh Dieu de gloire. À ton rouleau. Quitte-la, justifier. C'est ce qu'il m'a dit de te dire, la langue est chaude. Gloire à Dieu. Alléluia.